c'est top, tu as travaillé ici aux Évêques. Oui. Comment ça s'est passé? Bah, très bien, le cheval est parti un petit peu frais en partant et on allait un peu vite. Mais une fois qu'il est arrivé en tournant, il s'est bien reposé et dans une droite, il a fait un bon bout, il avait l'air en bonne forme. C'est juste pour voilà, qu'il reprenne un petit peu confiance en lui parce que c'est vrai que la dernière fois qu'il a galopé ici, malheureusement derrière, il s'est blessé, donc il fallait voilà, qu'il soit au top mentalement. Et je pense que ça va être le cas pour dimanche. Quelles sont tes ambitions justement pour dimanche? L'opposition, comment tu l'as vu? Bah, je pense que c'est un lot très ouvert, mais c'est clair que le cheval, c'est celui qui a les meilleurs titres derrière lui. Si c'est le Sirius des Aigles des grands jours, c'est le logique favori et on vient bien sûr pour viser la plus haute place du podium. Maintenant, c'est clair que c'est un cheval qui n'a jamais été très chanceux ici à Hong Kong, donc il va falloir se méfier de ça. Mais sinon, dans quelques minutes, on va avoir le tirage au sort déjà des stalles pour voir un petit peu où on va se placer. Mais avant le coup, c'est quand même une très belle chance dans cette épreuve.